J'ai suivi le bootcamp de développement web full stack. Bonjour, je m'appelle Lucas, version française ou Lucas, version polonaise. Mon parcours avant la formation, c'était assez différent parce que je travaillais en Irlande, j'habitais en Angleterre, j'étudiais en Pologne et tout juste avant la formation, j'étais chauffeur poids lourd. Je me suis reconverti en développement parce que l'informatique m'a toujours passionné. Et en plus, c'était le moment de Covid, donc confinement m'a fait réfléchir, donc je me suis lancé. La formation que je choisis, c'est le bootcamp de 5 mois à Nantes. C'était en présentiel, bootcamp qui est accessible pour tous les profils en fait. Il n'y a pas de prérequis. Et bootcamp qui se concentre sur les technologies comme HTML, CSS et JavaScript principalement. Et on commence par des quêtes souvent, où on peut pratiquer une technologie, on découvre nous-mêmes. Ensuite, on a le cours. Et après cette étape, on travaille les projets. Souvent, c'est le projet en groupe, donc on peut pratiquer tout ce qu'on a découvert pendant le cours et des quêtes. La formation m'a apporté principalement des compétences. Ça m'a appris beaucoup de communiquer avec les gens. Notamment, on travaille beaucoup en équipe pendant les projets. Donc la communication, c'est quand même une partie le plus importante parfois. Donc c'est ça qui m'a débloqué pendant la formation. Après le bootcamp de 5 mois, je fais mon stage. Je enchaîne après avec Alternance, avec la White Coat School aussi. Et je viens de passer mon titre cette année. Le premier, accroche bien. Donc c'est un conseil que je répète toujours pour nos élèves. Parce que la formation est très intense. Donc il faut vraiment s'investir beaucoup dans l'apprentissage. Deuxième, c'est bien de découvrir nous-mêmes certaines technologies comme HTML, CSS au moins. Donc ça nous débloque parce que le début de formation, c'est toujours le plus compliqué. Donc si on connaît quelques technos avant, donc c'est bien de le faire.